Alors aujourd'hui, nous allons faire des coques de macarons pour avoir des macarons au caramel, au beurre salé, ainsi qu'au chocolat blanc et à la framboise. Donc pour faire les coques, nous avons besoin de poudre d'amande et de sucre glace que nous avons au préalable mixé pour faire de la poudre très fine. Donc on a fait deux bols puisqu'il y aura deux couleurs de macarons. Donc pour 50 macarons, vous avez en gros besoin de 165 g de poudre d'amande, le double donc en sucre glace, et puis nous aurons besoin de blanc en neige. Donc vous allez séparer les blancs des jaunes, et là nous aurons besoin de 175 g de blanc d'œuf. Donc tout d'abord, on a mixé la poudre d'amande avec le sucre glace, auquel on va incorporer du colorant alimentaire. Donc pour le chocolat blanc framboise, on va prendre une couleur rose. Donc il faut mettre une toute petite pointe de colorant, juste la couleur. Et puis nous allons faire la même opération. Donc la poudre qui a été divisée en deux avec la couleur orange pour faire ce au caramel au beurre salé. Donc une toute petite pointe de cuillère. Voilà, comme ceci. Donc nous allons mélanger la partie poudre d'amande, sucre glace avec le colorant rose pour bien incorporer le colorant à la poudre. Alors pour les plus gourmands, ce sera pour 5 personnes. Sinon, c'est bien de compter 2 macarons par personne. Donc vous en avez en gros pour 25 personnes. Sachant que les macarons peuvent se garder 2 à 3 jours au frigo, vous pouvez les faire et puis les déguster en plusieurs parties, accompagnés d'un petit café ou d'un thé gourmand. Donc nous allons faire la même opération pour le colorant orange. Donc pour les blancs en neige, nous allons d'abord commencer avec un mixeur. Si vous avez un mixeur à plusieurs vitesses, c'est beaucoup plus pratique. En vitesse 1 pour préparer les blancs en façon mousse à raser. Donc pour la vitesse supérieure, nous allons incorporer du sucre en poudre classique. Vous aurez besoin de 75 g de sucre, donc pour les 187 g de blanc d'œuf. Voilà. Donc là, l'effet mousse à raser est là. Donc on va passer à la vitesse supérieure au niveau du mixeur et incorporer le sucre en poudre tout en tournant en 8. Donc j'accélère le mixeur et j'incorpore le sucre en poudre. Donc là, le blanc d'œuf épaissit. On le voit au niveau du fouet et on le sent aussi en tournant le bol. Et le blanc en neige donc monte. Donc là, on voit bien que c'est bien pris et même un peu épais puisque ça fait des petites vagues. Donc on va couper le mixeur. Hop. Et donc les blancs en neige pointent. Donc nous allons incorporer la moitié du blanc en neige dans chacun des saladiers. Et les mélanger précieusement, donc ce qui s'appelle macaroner, avec une marise ou une spatule en plastique. Donc je divise mes blancs en neige en deux. Et je les mets dans les saladiers. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Après, c'est un tour de main à faire pour le macaronnage. Puisqu'il ne faut surtout pas trop casser les blancs, sinon la coque ne lèvera pas. Donc là, on va faire les coques oranges. Donc comme vous pouvez le voir, le colorant agit sur la partie du blanc d'œuf. Donc il faut que toute la poudre d'amande et de sucre glace soit absorbée par le blanc d'œuf. Donc en mélangeant consciencieusement et délicatement en 8, faisant le tour du saladier et en remontant par le dessous, on va incorporer les blancs en neige. Après, le tout, c'est d'accommoder avec les ganaches qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, on fera du caramel au beurre salé et du chocolat blanc en framboise. Mais on peut très bien faire une ganache avec de la pâte à tartiner ou de la confiture qui est déjà toute prête. Donc on a fait le orange et on fait exactement la même procédure
pour le rose. Donc les colorants alimentaires, faut les prendre en poudre, c'est préférable, parce que liquide, ça va liquéfier la pâte et ça colore pas beaucoup. Donc là, la couleur est bien vive. Il existe différents colorants, que ce soit du vert, du rouge, on l'agrémente selon les couleurs que l'on aime et la ganache. Donc rose pour la framboise et orange et marron, puisque Lily fait tout, c'est orange et marron pour le caramel au beurre salé. Donc voilà, nos pâtes sont faites. Donc on en a bien notre rose, comme on peut le voir, et notre orange. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser ces préparations dans des poches à douille. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des sachets plastiques qui servent pour la congélation, que vous percerez dans un angle pour pouvoir glisser la préparation. On va mettre la ganache dans les poches à douille. Petite astuce pareil pour éviter que la poche à douille ne vous encombre. On prend un pot n'importe quel, à confiture, à conserve, pour pouvoir dresser la poche et qu'elle tienne bien droite quand vous allez verser votre ganache. Donc là, on va verser donc la partie rose. Vous pouvez commencer par n'importe quelle couleur. Ça n'a pas d'importance puisqu'elles ne se mélangeront pas sur la plaque. Voilà. Donc on fait bien glisser. On peut le faire à l'aide d'une cuillère pour bien faire glisser la pâte au fond. Donc là, nous allons faire un trou au niveau du cône de la poche à douille pour avoir un embout. Donc nous allons dresser les macarons roses sur la plaque. Donc vous serrez bien, vous vous mettez à la perpendiculaire de la plaque. Et surtout, pour que l'air ne s'incruste pas, vous vous mettez au plus près du rond. Donc vous n'allez pas jusqu'au bord du rond pour vous justement qu'il puisse grossir. Si vous n'avez pas de plaque, vous prenez du papier cuisson où vous allez discrètement glisser une feuille dessus pour déjà dessiner vos ronds en fait au préalable. Et par transparence, vous pourrez faire sur votre plaque de papier blanc, de papier cuisson, faire vous-même les petits macarons si vous n'avez pas de plaque en silicone. Donc on va faire exactement le même principe pour le orange. Donc toujours la poche à douille avec le pot. Donc pendant que vous allez faire croûter les macarons, c'est-à-dire les laisser reposer à l'air libre, vous mettez votre four à préchauffer en chaleur tournante à 150 degrés pour pouvoir saisir les macarons une fois prêts à cuire. Alors généralement, le macaron est meilleur consommé 48 heures après la fabrication. Comme tout plat, il rassit un petit peu et il est meilleur. Donc pour les plus gourmands qui ne peuvent pas attendre, on peut le consommer dans la journée. Vous pouvez aussi préparer vos coques à l'avance. Et puis les ganaches d'un autre côté et les monter le jour où vous voulez les déguster. Puisque comme ça, ça vous laissera le choix des ganaches que vous avez à faire. Les coques peuvent se congeler. Donc vous les mettez bien à plat dans un tupperware au congélateur, mais sans ganache. Toujours les monter au dernier moment en fait. Un petit dernier. Donc pour éviter d'avoir voilà, des petites bulles d'air qui se forment forcément, on va claquer la plaque. Donc, n'ayez pas peur, c'est solide. Voilà, ça fait remonter les petites bulles d'air et donc le macaron n'aura pas de bulles dedans. Donc, ça va bien lever. Donc vous le laissez de côté pendant 30 minutes. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on va préparer sont les ganaches. Donc on va faire. Donc les ganaches, c'est l'intérieur du macaron. On va faire du caramel au beurre salé. Et puis après, nous ferons du chocolat blanc et de la framboise. Donc pour le caramel au beurre salé, on va avoir besoin du sucre en poudre, comme tout à l'heure. Vous allez mettre dans une casserole à vide. On a besoin de 125 g de sucre en poudre. Vous aurez besoin de 4 cl d'eau, de la crème liquide
entière. Donc là, vous aurez besoin de 6 centilitres de crème liquide et du beurre demi-sel, puisque caramel au beurre salé, ça fait du beurre demi-sel. On aura besoin de 100 g de beurre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sucre sur la gazinière avec l'eau. Vous versez l'eau sur le sucre et surtout, vous ne touchez à rien. Il ne faut surtout pas battre le sucre et l'eau parce que vous allez incorporer de l'air dans le sucre et ça va cristalliser le sucre plutôt que de le caraméliser. Le temps que le caramel prenne, on va préparer la ganache de chocolat blanc et de framboise. Donc on va prendre autant de framboise que de chocolat blanc. Donc là, j'ai pris 120 g de chocolat blanc et 120 g de framboise, donc si possible fraîche ou sinon vous pouvez les trouver en surgelé. C'est des fruits entiers. Donc là, même principe, nous allons mettre à chauffer le chocolat blanc et on va y incorporer les framboises. Donc vous mettez tout de suite les framboises dedans. Donc la ganache de chocolat blanc framboise va prendre très vite puisqu'il suffit tout simplement d'attendre que le chocolat blanc ait fondu. Donc là par contre, il faut le touiller pour pas que le chocolat blanc prenne sur le fond de la casserole. Ça nous permet en même temps de surveiller le caramel. Donc là, le chocolat blanc est fondu. Vous allez donc avoir comme une petite purée de framboises et de chocolat blanc. Donc là, on va mixer juste la ganache pour éviter qu'il y ait trop de grains épais de framboises. Donc pas besoin de faire beaucoup de tour. Vous pouvez conserver la ganache au frigo, donc vous pouvez la faire la veille et puis la mettre au frigo, comme ça elle sera un petit peu plus dure pour la glisser sur les macarons le jour où vous allez les servir. Donc toujours le même principe, moi je les mets toujours dans des poches à douille non percées puisqu'il suffira juste de couper l'embout pour le dresser après. Donc on va glisser, hop, donc vous fermez bien votre poche. Et vous la mettez au réfrigérateur le temps que de servir ou de monter les macarons. Donc ça, c'est là que votre ganache est prête. Donc là, le caramel a une belle couleur caramel. Voilà. Donc n'a pas cristallisé. Donc ce qu'on va faire pour stopper la cuisson du caramel, on va incorporer la crème liquide à l'intérieur. Donc faites bien attention quand vous incorporez la crème liquide. Ça fume beaucoup et ça peut éclabousser, donc c'est brûlant. Donc vous jetez la crème à l'intérieur. Voilà. Ça bulle énormément. Vous éteignez le feu. Donc vous mélangez avec une cuillère en bois pour que le caramel et la crème soient homogènes. Alors il faut bien attendre effectivement qu'il n'y ait plus de bulles parce que si vous mettez votre beurre tout de suite, il va se transformer en huile. Ça va être trop chaud. Donc on va mettre le beurre dans la casserole et le fouetter en même temps, donc l'émulsionner pour qu'en fait il ne fonde pas en huile mais qu'il prenne bien en crème. Et donc vous fouettez pour que le beurre fonde au contact du caramel et épaississe un petit peu votre base. Donc là il est terminé, donc on le voit au niveau de l'aspect. On va le mettre dans une poche à réserver au frigo pour qu'il durcisse un petit peu, qu'il prenne. Parce que si vous le mettez en l'état sur les coques de macarons, il va être trop liquide. Donc le caramel est prêt. Donc à conserver au réfrigérateur le temps de dresser donc les coques. Donc nous allons enfourner les macarons donc à 150 degrés en chaleur tournante. Donc la meilleure position pour qu'il soit parfait dans le four, c'est la position du milieu. Donc ni trop ni trop bas. Vous fermez votre four et vous le laissez cuire pendant 13 minutes. Au bout de 13 minutes, les macarons sortent du four. Donc vous les laissez refroidir sur votre grille et vous obtenez des coques toutes identiques, donc avec une légère collerette
pour dire qu'ils ont donc bien levé. Donc il ne vous reste plus qu'à garnir les macarons et à les dresser. Donc vous retournez simplement la moitié des coques pour pouvoir les avoir. Toutes celles qui vont être retournées vont être garnies. Ensuite, nous viendrons déposer la deuxième coque pour le chapeau du macaron. Donc le chocolat blanc, alors bien au centre et à remonter un petit peu sur le dessus. Formez des petits cercles, pas trop au bord pour ne pas déborder quand on va appuyer la deuxième coque dessus. Donc pour les assembler, vous prenez bien vos macarons sur le côté, parce que c'est quand même assez fragile comme coque, et vous venez déposer l'autre moitié sur le dessus. Donc tout simplement en parallèle, en symétrie. Voilà. Après, pour la présentation, vous pouvez utiliser des petites collerettes en papier. Vous trouvez pareil partout et vous les déposez dessus. Donc là, on va faire pareil pour le caramel. Donc vous pourrez alterner de différentes couleurs, de différentes ganaches. Les enfants raffolent les macarons à la pâte à tartiner. Donc là, vous n'avez pas de problème de préparation de ganache. Vous prenez cette pâte à tartiner que vous pouvez mettre en petite boule avec une petite cuillère à la place au centre du macaron et le recouvrir en le faisant tourner un petit peu pour que la ganache de pâte à tartiner s'arrondisse. On peut imaginer des macarons salés. Le sucré comme le salé s'adapte bien sur les macarons. Donc voilà, nos macarons sont finis. Vous les mettez au frais jusqu'à dégustation s'ils ne sont pas dégustés dans la journée. Vous les mettez bien dans une boîte hermétique et vous pouvez les déguster sous 2 ou 3 jours. Bon appétit.